Tu sais, ça. Je passe des moments très difficiles. Et tu es la seule personne à qui je peux me confier. Bien sûr que oui, Margot. Bien sûr que oui. Depuis que je me suis séparée des gens, je souffre énormément. J'attends tout de ma tante. Je suis déjà majeure. Avec ma mère, la relation n'est pas top. Tu sais, ce n'est vraiment pas facile d'attendre tout d'une seule personne, tu sais. Bon. Il faut que je trouve un boulot en attendant. Et encore que ma tante ne m'a pas fait signe depuis 4 mois. Pourtant, je rêve de trouver un emploi décent pour pouvoir aider ma famille. Voilà, j'ai trouvé. Je connais le gérant du restaurant, Monugaga. C'est un ami à moi. Je vais lui en parler. Sinon, tu vas faire ça pour moi. Bien sûr. Oh, merci, ma puce. Merci. Merci. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Merci. J'aimerais bien voir monsieur Kambé. Ah, monsieur Kambé? Ouais. Oui, il est de l'autre côté là-bas. Ah, oui, va ma puce. Merci. Ok. Bonjour monsieur Kambé. Ah, bonjour Solange. Comment tu vas? Bonjour monsieur. Elle, c'est Margot, ma copine dont je t'ai parlé la fois passée. Ah, Margot, enchantée. Que le plaisir pour moi, monsieur. Je t'attendais depuis. Bon, je peux commencer dès lundi prochain. Lundi? Waouh! Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Ne me réussis pas, il faut tout remercier ton ami Solange. Je lui fais entièrement confiance. Merci, monsieur Kambé. Merci beaucoup. Je vois que tu as tellement à faire. Oui, oui. Dans ce cas, nous allons devoir te laisser travailler. Bon. À la prochaine. À lundi. À la prochaine. Porte-toi bien. À lundi, monsieur. Bye.
Jette Bansi. Le Dieu qui t'a créé, c'est le même qui va me créer. Dieu qui va te juger, c'est le même qui va me juger. Arrête mes gaspillés. Arrête, arrête, arrête de me gaspiller. Adieu. Et demandez. Tu peux pas aller danser dehors. Tu te vois qu'elle est en train de lire. Mais tu peux aller toi-même lire ça dehors. Et en plus, tu dois pas me dire où je vais aller danser. Parce que je danse où je veux. À chacun ses problèmes, chacun porte sa croix. Bien. Mais ça, il n'y a pas d'excuse à faire. Je te comprends. Je vais aller droit au but. J'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Et cela nécessite une prudence absolue et du professionnalisme. Nous avons un client richissime. Et il tient à sa livraison 2 fois par mois. Et je suis sûr que dans quelques mois, vous deviendrez très très riche. Ce que vous avez à faire, c'est de récupérer la marchandise. J'aimerais bien savoir l'importance de ce job si ma vie en dépend. Comme je vous l'ai dit, ce boulot est très délicat. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il s'agit de l'enlèvement des petits enfants et du trafic des organes humains. Chacun de vous touchera 100 millions de francs CFA. Plus un bonus de 25 millions. Donc, 125 millions de francs CFA par personne. 125 millions de francs CFA. Ça, c'est enfin une occasion pour nous de devenir riches. Profitez-en. Recrutez-moi le plus tôt possible, des hommes. D'accord. Vous pouvez disposer. Maman veut continuer mes études à la fac. Hey maman, qu'est-ce que tu en penses? 125 millions de francs CFA, ça c'est une opportunité, non? C'est un fardeau très lourd. Et ensuite, l'enlèvement des mineurs, le trafic des organes, c'est pas mon truc. J'ai jamais fait ça de ma vie. Au fait, je pense que je me suis tout là. Dans ce cas, vous allez y retourner toutes les deux. Ma tante, tu veux qu'on retourne à l'école. Et tu sais très bien que tu n'as pas d'argent. Il y a des filles qui se battent pour s'occuper de leurs parents. Ils font des petits commerces. Ils vendent même des tomates au marché. Qui, moi? Je ne peux pas faire ce genre de travail. Je suis une grande fille. Et je vais moi-même payer ma pension. Ah bon? Mamie, tu ne dois pas me gâcher cette opportunité, non. Hey. Que se passe-t-il, Messas? Carlos. Messas.
ne parlerai pas deux fois. Papa est défendu. Et je pense que tu continues de toucher sa pension. Tu ne crois tout de même pas que toutes les factures de cette maison seront payées avec la maudite pension de ton papa? Alors, attends-toi de me dire n'importe quoi. Joe! Comme au bon vieux temps. Dis-moi, quel est l'objet de ton appel? J'ai un dossier très lourd. Je suis recherché. Tu n'as pas à t'inquiéter, Joe. Je travaille actuellement avec les plus grosses personnalités de ce pays. Assieds-toi au but. Quoi le boulot? Le deal est l'enlèvement des petits enfants. Le trafic des organes humains. Et la paye, ça se passe comment? 1 million de francs CFA par organe. Les organes sont les sexes, les cœurs, les langues, les yeux. Andy, ôter la vie pour moi est un jeu. Mais je ne le fais pas pour un salaire de catéchisme. Pour un règlement de compte, tu prends 5 millions. Ton putain de boulot. En plus, je dois dépiécer les corps et les organes. Ok, Joe. Je te comprends. 7 millions de francs CFA. Non. 10 millions. 8 millions de francs. Et ça se passe comment? Le quart avant le boulot et le reste après. Bien. J'aime bien qu'on me paye à temps. Donc fais gaffe. L'argent est dans mon compte. Un seul clic, le virement est fait. J'aime le cash. Ne fonctionne pas avec les comptes. Et je vois là que nous avons quelque chose en commun, Joe. Marché conclu. Allô? Ça commence, oh? Ça va, princesse. Comment tu vas? Bien. Bien dormi? Mm-hmm. Ok. Aujourd'hui, je pense que tu es de repos. Oui. C'est mon jour de repos. Ok. Il faut voir ce geste un peu. On pourrait peut-être aller manger du poisson frit à la base. Qu'est-ce que tu as? Ah, je suis d'accord. Mais avant, je vais finir de cuisiner. Ok. Je viens te chercher, alors. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, tout à l'heure. Bonjour les filles. Bonjour monsieur. Moi c'est Willy. Pardon.
Enchanté. Solange. Il est vite dans le salon. Il est vite dans le salon. Avez-vous l'habitude de venir ici? Non. Moi, si. J'y viens souvent. Ils font de très beaux plats. Ça, c'est un exemple. Tu as un problème, mon ami. Qui vous a dit qu'on a besoin de vous connaître? La preuve, c'est que c'est une personne. Oui, allons. Bonjour. Y a-t-il un problème? Est-ce que tu ne m'appelles jamais pour rien? Ah, je comprends. D'accord, je passerai. Excusez-moi, c'était mon nom. Margot. Je te trouve très ravissante. Et... ça fait longtemps que je n'avais plus rencontré une fille aussi jolie. J'aimerais qu'on se revoie si c'est l'intégrer. Je suis très occupée en ce moment. Mais je n'ai pas l'intention d'avoir un compagnon pour l'instant. Je comprends. Mais vois-tu, je ne suis pas un compagnon ordinaire. Je suis celui qui transformera ta vie en une immense cité de bonheur. Je ne suis pas intéressée, monsieur. Excusez-moi. Solange. Ouais. Apparemment, tu es une personne plus ouverte. Alors, pourrais-tu m'aider en parlant à ta copine? Je ne sais pas, mais c'est la première fois que je la rencontre mes parents. Et déjà, je suis fou. J'ai besoin d'une femme comme elle chez moi. Je suis très sérieux. Elle est seule pour nous. Ça, j'en suis certain. Je n'ai jamais été aussi sûr. Don't you?